Bonjour, c'est Pierre Huguet. Bienvenue à cette nouvelle leçon sur le petit circuit de voiture. Dans cette leçon, nous allons compter les tours et faire des courses à plusieurs tours. On va définir au départ le nombre de tours à parcourir et abaisser ce nombre à chaque fois que la voiture passera la ligne d'arrivée. Alors, je définis la variable nombre de tours et je l'initialise à 3 au démarrage. Ensuite, je masque les variables qui ne m'intéressent pas, comme le coefficient et la vitesse, et je réorganise les autres pour pouvoir jouer plus confortablement. Ensuite, je vais réduire de 1 le nombre de tours, c'est-à-dire ajouter moins 1 au nombre de tours à chaque fois que je touche la ligne d'arrivée. Mais je ne prendrai le temps et je ne dirai que j'ai gagné que si le nombre de tours est égal à 0. Donc, je rajoute un contrôle. Si le nombre de tours est égal à 0, j'ai gagné et je mesure le temps. Nous pouvons maintenant tester cette modification. Alors allons-y, je clique sur le drapeau vert et je vois que le nombre de tours ici est initialisé à 3. Barre d'espace. Et j'arrive au premier tour, mais il me dit que j'ai gagné et le nombre de tours est passé à 0. Donc il y a un bug qu'il faut que je corrige. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe en regardant le code. On compte un tour à chaque fois que la voiture touche la ligne d'arrivée ou le bleu. Ce test est fait dans la boucle infinie. Alors que se passe-t-il quand la voiture touche le bleu? Après avoir modifié le nombre de tours, la boucle infinie continue si le nombre de tours est différent de 0. Donc, le bloc qui teste si la ligne d'arrivée est touchée est de nouveau exécuté, avant même que la voiture ait passé la ligne. Le nombre de tours est à nouveau modifié et ça se produit 3 fois avant que la voiture n'ait passé la ligne. Donc le nombre de tours passe à 0 et le programme nous dit qu'on a gagné. Donc comment faire pour corriger ça? Quand la voiture touche la ligne, il faut retirer un tour, mais un seul, jusqu'à ce que la voiture ait vraiment refait un tour. Donc trouver une condition qui permet de compter le tour une fois, puis qui interdit un nouveau décompte, jusqu'à ce que la voiture ait fait presque un tour. Alors, essayer de trouver une solution, c'est pas très facile. L'idée, c'est de mettre une condition qui n'est satisfaite qu'à la fin de chaque tour, juste avant la ligne d'arrivée. Alors faites une pause vidéo, et si vous êtes en groupe, essayez d'en discuter à plusieurs. Alors, il y a plusieurs solutions. Celle que je vous propose, c'est de placer un objet un peu avant la ligne d'arrivée, par ici, et d'interdire le décompte de tours tant que la voiture n'a pas touché cet objet, donc tant que la voiture n'a pas fait un tour. Ensuite, la voiture elle va atteindre la ligne d'arrivée et un tour sera décompté. Mais immédiatement après ce premier décompte, on interdira le décompte d'un tour supplémentaire. Pour savoir si le décompte est autorisé ou pas, je vais créer une variable que je vais appeler décompte. Et cette variable, si elle est égale à 0, c'est qu'on ne peut pas décompter. Si elle est égale à 1, on peut décompter. Donc, je vais l'initialiser à 0. Ensuite, je vais créer un objet dont la forme n'a pas d'importance. Ici, je vais prendre un ballon de basket et je vais le mettre un peu avant la ligne d'arrivée avec une taille qui est suffisante pour être sûr que la voiture passe dessus. Donc cet objet, je vais l'appeler passage. Et puis, je vais lui demander d'aller au bon endroit au démarrage. Donc là, je l'ai positionné. Donc, je vais lui dire d'aller à -163,13, qui est le dernier endroit où je l'ai placé. Et je vais lui demander d'être à la taille de 100%, puisque ça convient, on pourrait mettre 80% ici, mais ce qu'il faut, c'est être certain que la voiture touche cet objet avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Je dois maintenant revenir au script de la voiture et faire 3 choses dans la boucle infinie. Premièrement, si la voiture touche le passage, j'autorise le décompte, c'est-à-dire je remets la variable décompte à 1.
Deuxièmement, avant de décompter un tour, c'est-à-dire d'ajouter moins 1 au nombre de tours, vérifiez que le décompte est autorisé. Donc, je vais sortir ça et je vais mettre une condition. Si décompte égale 1, alors je peux retirer 1 au nombre de tours. Voilà. Et puis troisièmement, immédiatement après avoir réduit de 1 le nombre de tours, il faut que j'interdise tout nouveau décompte avant d'avoir atteint le passage. Donc il faut que je remette décompte à 0. Et je remets tout ça dans la condition bleue. On va maintenant tester notre programme. J'appuie sur le rouge et sur le vert, puis sur la barre d'espace. Je vois que le nombre de tours à faire est de 3 et je vois aussi que la variable décompte est à 0. Donc pour l'instant, mon décompte n'est pas autorisé. Je vais passer sur le passage et je vois que décompte passe à 1. Ensuite, je vais toucher la ligne d'arrivée. Le décompte est passé à 0 et que le nombre de tours est passé à 2. Donc pour l'instant, ça marche bien. Je continue. Le décompte est à 0, il passe à 1 quand je suis sur le passage. Ensuite, il passe à 0 quand je franchis la ligne d'arrivée et le nombre de tours passe de 2 à 1. Et normalement, la prochaine fois, je dois être arrivé. Voilà, j'ai fait mes 3 tours en 42 secondes. Donc le programme marche correctement, mais j'aimerais que vous regardiez deux choses avant la prochaine leçon. Premièrement, faire passer la voiture au-dessus du bulletin passage et rendre ce passage invisible ou presque. Et deuxièmement, vérifier le chronomètre. Alors, à la prochaine.